Bonjour, alors je vais vous montrer comment monter une cloison en Ciproex. C'est une cloison, c'est pour une bac à douche, après une douche italienne, qui sera là derrière. Vous voyez encore, il y a les tuyauteries qui sont encore toutes en attente là. Le premier se fait désirer. Voilà, elles sont là. Et la cloison, voilà la cloison qui sera là. La salle de bain sera là. Alors j'ai déterminé l'emplacement de ma cloison. J'ai posé ma règle métallique, une règle métallique, en placement de la cloison, la deuxième. Voilà. J'ai préparé mon Ciproex, Ciproex 10, feuillure. Voilà. Les autres sont là, sont pris, sont coupés. La scie, une carbure Custen, spécial Ciproex. C'est quand même quelque chose qui est assez dur. Maintenant, je vais faire la colle et je vous montrerai comment les coller. Multicolle Ciproex. Ça, c'est UVPI, mais il y a des tas d'autres marques, mais je le trouve assez sympa. Celui-là, il se pose bien. Je l'aime. Voilà, le malaxeur. Un seau. Très bien. Alors j'ai mis un peu de colle, j'ai étalé la colle à l'emplacement où je vais mettre la cloison. J'ai mis un peu de colle contre le mur. J'ai graissé mon carreau. Le haut aussi. Bon, vous pouvez prendre, moi j'ai pas là ici, là j'ai pas de peigne, mais vous pouvez prendre un peigne, enfin une trouée, une liane va bien. Voilà, maintenant je vais poser là, je vais coller l'emplacement. J'ai posé la première rangée, posée, réglée. J'ai graissé la deuxième rangée. J'ai mis un peu de colle contre le mur. Puis je vais mettre aussi de la colle, un petit peu de colle sur le carreau. Deuxième rangée montée. Et on va monter, on va graisser la troisième rangée. Un peu de colle contre le mur. De la colle sur le carreau et de la colle sur l'autre carreau. Voilà, troisième rangée montée. On va remettre de la colle contre le mur. Remettre de la colle sur le carreau, sur le carreau. Remettre de la colle sur le carreau qu'on va coller dessus. On va le poser et le régler. La cloison est montée. Elle fait 2 mètres de hauteur. 4, pour le bac à douche, le mur de bac à douche, fait une douche italienne. Sinon, mais si vous avez monté à monter plus haut, et puis vous continuez pareil, mettre la colle sur le carreau. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous faites des coupes, bien dépoussiérez, parce qu'à l'endroit de la coupe, il y a de la poussière et pour la colle, ça adhère pas trop. La cloison, là, elle est terminée, elle est prête à faïencer. Si vous voulez peindre, bon, il y a une pellicule de finition avant, mais la cloison est prête et terminée. Demain, posera la faïence dessus.
nous-mêmes, on a quelques associations. Moi, je suis comme pour certains pays européens, et je réponds donc à Franck, même si c'est pas volontaire, vous avez sur la syndicalisation obligatoire. Moi, je pense que quand on dit ça, il y a une autre syndicalisation obligatoire. Pourquoi? Parce que je crois que moi, j'ai connu une entreprise publique où il y avait effectivement un syndicat majoritaire qui utilisait. Je vais vous montrer comment poser un évier semi-encastré, un lavabo de salle de bain semi-encastré sur un pan de travail bois compressé hydrofugié. Je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette opération. Là, c'est la hauteur de la bande, le bas du lavabo, c'est la bande, c'est le bas, c'est 70 cm. Après, il y a le tasseau est à 83 cm.
Après, il y a le plan de travail. Le plan de travail il fait 3 cm et là, le carrelage et le lavabo qui déborde de 5 cm. Donc, j'ai fixé un tasseau sous le plan de travail. J'ai vissé un tasseau de 30 par 20. J'ai vissé. Alors, le plan de travail, c'est moi qui l'ai fait. C'est du copeau hydrofuge. Je l'ai renforcé au niveau du lavabo. J'ai fait un rebord en bas pour un dépassement, une retombée de 10 cm en bas. Voilà. Le lavabo semi-encastré. Le plan de travail est là. Tout ça, ça dépassera. Le travail est posé sur les tasseaux. Voilà. Dessus, il y aura le carrelage qui sera coulé. Et le lavabo posé dessus. Maintenant, on va tout couler, tout bien mastiquer. Là, j'ai mis une bande de mastic tout autour sur le tasseau. Et je vais poser dessus maintenant la plaque de travail. La plaque de travail posée. Je vais maintenant faire un joint périmétrique tout autour, hydrofuge. Là, j'ai écarté un petit peu le plan de travail du mur. J'ai mis dedans de la colle silicone, spéciale salle de bain, transparente, pour le voyez dedans. Et je vais le pousser. Je vais le pousser. Comment poser une barre de douche, ça c'est une téna confort, il appelle ça avec un robinet thermostatique à sécurité anti-chauffe, c'est-à-dire il sera toujours froid au robinet. Une position, je ne sais pas si vous voyez là, mais on va le voir après dans quoi, une position pour la douchette et une position pour la pompe de douche là-haut. Alors la boîte, on va la découvrir avec vous, on va la couvrir ensemble. Bien emballé. En bas dessous, et faire pour une douche articulée. Ça a l'air du bon matériel. La documentation, là le robinet thermostatique sorti pour le tuyau pour la douche d'en haut et en bas, pardon, je me trompe, là c'est la sortie pour la douche du haut et là c'est la sortie pour la douche du bas. D'accord, vous voyez la position douchette. Position douchette et la position douche. Sécurité, 38 degrés.
Pierre Lévis. On voit ça. Ça, c'est pour le maintien de la douchette, la petite douchette. La douchette. Voilà, ça c'est pour la douche du haut. Une grande déport. Fixation au mur. Réglable. S'adaptera toujours, vous voyez, ça s'agrandit. Ça rattrape le défaut entre la faïence et les murs, ça, les deux jointuriques, la barre le bas dedans, la douchette, la douche, le bas haut. Bon, là on a vu, c'est la douchette, ça c'est le flexible, la douchette. Alors là, il y a la barre du haut, qui s'enfonce là-dedans. Il y a deux jointuriques, on la rentre de force. Et on la rentre là. Deux jointuriques, on la rentre de force. Vous voyez, j'ai mis le poêle en couche de téflon, il ne faut pas avoir peur. Je l'ai vissé écartement, 150 mm. On le contrôle au-dessus, bien de niveau, 150 mm. Caméraman, voilà, c'est là pour le moment. Voilà, ça ira bien. Je vais les enlever, je les mettrai après. Je vais présenter d'abord le robinet. Et si l'écartement est bon, je remplirai bien de colle les trous autour des rosaces. Alors je vais mettre un joint, un filtre, petit tamis, un tamis. Je vais poser, bon, l'écartement était bon, 150 mm, ça se visse parfaitement. D'abord, avant de boucher les trous, je vais tester l'étanchéité. Je vais fixer maintenant la barre. Elle sera là, mais du loin jusqu'à là-haut. Voilà, la barre. J'ai monté le support bouchette. Il est réglable. Tac, il glisse. Vous le mettez là où vous voulez.
Je vais fixer maintenant la patte au mur, celle qui arrive à plat. Le robinet et la colonne est montée. Petite bombe de douche là. Maintenant je vais tout essayer contre les fuites et puis si c'est bon, eh bien, on bouchera les trous là. On mettra les rosaces de finition. De brancher le robinet, vous faites couler un petit peu d'eau par le tuyau pour nettoyer s'il y a des impuretés qui sont rentrées dedans, pour les faire ressortir. C'est très important, hein, avant de mettre le robinet en place, vous faites couler un petit peu d'eau.